Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à l'Opérum sur un nouvel épisode de Fallout 4. Donc on fait continuer, chers amis, je me rappelle plus du tout où j'en étais. Ah si, ça c'est... C'est Good Neighbor. Alors. Ok, jusque là ça me semble intéressant. Steampack automatique, c'est complètement craqué d'ailleurs, hein, je pense. Ok, ok, ok. Bon, parfait. Juste, on va peut-être faire un petit essai sur un truc. Est-ce qu'ils sont toujours aussi bleus, les personnages? Un peu moins, peut-être. Ok, bon. Alors, je me trompe de bouton. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? La sauterelle dorée, trouver la tombe de Shemdraun. Eh oui, j'avais pas envie de monter par là, moi. Asseyez-vous. Optionnel, envoyer les filotrons. Non, retourner au commissariat, pourquoi pas. Retrouver Bobby à Diamond City. Ça, j'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas. Retrouver une balise de radio de recrutement. Non, raison du plus fort par la Preston. Non, place nette par les habitants de Nordgin Beach. Le chemin de liberté d'hiver. Ouais, d'accord, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Y'a pas un truc aussi normalement sur la... J'avais pas une mission normalement, fallait que je... Voilà, c'est dans divers peut-être. Chasser les pillards, parler à Macready, trouver des trésors. Fallait pas que j'aille qu'elle m'avait pas donné une quête celle-là, là, Memory Den là. Bon, bizarre. Bizarre, bizarre. Jamaica Plain. Jamaica Plain. Ouais. Avril 114, je suis rentré dedans. Oui, c'est là que je vais chercher le trou du cul. Oui, exact, exact, exact. Bon, alors, les gens voulaient que je fasse l'abri 81. Bah écoutez, on va aller le faire. On va aller le faire. Chaque niveau de sa culasse permet de charger une cellule à fusion. Je comprends pas quand ils disent ça en fait. Ah, ou alors en fait, à chaque fois qu'on augmente le niveau du truc, on peut charger de plus en plus de balles. Faudrait qu'on aille voir ça. J'ai entendu des bruits bizarres. Peut-être dans ma tête. Hein. Yo. What? Garde de la caravane. Fourrer, sinon Cricket, salut Cricket. Il y a tellement de flingues et si peu de temps pour les utiliser. Vous allez devoir m'en acheter. Oh la gueule qu'est-ce tape. Incertitude. Qu'est-ce qu'il y a en vente? Troqué. D'accord, voyons ça. Imaginez un peu comme ça doit être jouissif de tenir ça en main. Oh putain, elle me plaît celle-là. Cage Armor. Ah bon? Non, pas mon genre. Alors, la canne. Oh, la canne de pépé. Je prends. Oh putain. La canne de pépé. Ah, la supermasse, il m'en faudra une aussi. Hein. Hop, je regarde ce qu'il a quand même. Ce qu'elle a, plutôt. Ça, c'est une arme. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Deux psychos. Voilà, parfait. Déjà ça, ça fait du bien. Du whisky, ça fait du bien aussi. Et niveau alcool, j'ai pas fait attention à ce que j'avais. Pas grand chose, j'imagine. Ok, bon, on va partir là-dessus, c'est pas grave. Ok. Alors, c'est par là. Ah, d'accord, ça me rentre automatiquement dedans.
Ce qui est potentiellement bon signe. Hein. Oula. Ah oui, la porte est là, je suis en train de me dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Col miracle, argent d'avant-guerre, je prends tout ça. Hop, de la bière, de la chair de rat de cafard. Donc il y a eu des gens. Cendrier. Activez les commandes de l'abri. Hop. Voldor Remote Access Freely. Parfait. Pam. Alors, bonjour. Halte là. Sécurité de l'abri 81. Je ne sais pas où vous avez trouvé un Pip-Boy en état de marche, mais vous avez intérêt à vous expliquer. Oh, abri 81. Abri 81. Il est toujours opérationnel. Finement observé. Nous avons affaire à un véritable cerveau. Alors, ce Pip-Boy. Abri 111. Je l'ai eu dans l'abri 111. L'abri 111. Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans le 81, à votre avis? Oh putain! De l'échange. Juste échanger quelques trucs. Tiens donc, et vous croyez peut-être que... Oh! Superviseur. Oh! Qui est-ce, Edward? Une nouvelle tête venue de Commonwealth, madame. Ce n'est pas l'un des marchands habituels. Eh bien, si quelqu'un veut entrer, il doit le mériter, comme tous les autres. Laissez-moi lui parler. Intéressant. Pardonnez l'officier Edwards, il ne fait que son travail. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement notre prudence. Quand un nouvel arrivant se présente, nous aimons appliquer le principe du donnant-donnant. D'accord. Vous nous aidez, nous vous aidons. Je viens d'un abri, voyons. Je viens d'un abri, moi aussi. Laissez-moi rentrer, je suis comme vous. Pardonnez-moi, madame. Mais il a déclaré venir de l'abri 111 avant votre arrivée. Et il est en possession d'un Pip-Boy en état de marche. Vraiment? Oui. Je vais faire une exception. Edward, oh. Ça passe. L'officier Edward et moi-même vous retrouverons à l'entrée. Bien, madame. J'aurais peut-être dû faire une sauvegarde rapide avant, quand même. Comment c'est... Ah, bah la voilà la... J'attendais qu'il y ait une quête, justement, pour ce truc. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Bonjour. Il y a un peu beaucoup de monde. J'aime pas ça. Ah bah Kenigou lui. Kenigou, va manger. On mange ce soir. Gwen, mon équipe enchaîne les heures supplémentaires depuis des semaines. Ils ont besoin de faire une pause. Tout le monde travaille d'arrache-pied en ce moment, Cal. J'en suis parfaitement consciente. Faites au mieux avec ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. D'accord. On va voir ce qu'il faut, du bobouf. Mais vous savez aussi bien que moi qu'on ne pourra pas tenir comme ça encore longtemps. Désolé. Vous le constaterez rapidement, nous avons plusieurs opérations de maintenance en cours. D'accord. Ben McNamara, superviseur. Bienvenue dans l'abri 81. Nous n'avions encore jamais rencontré d'autres résidents d'abri. L'abri 111 est-il encore opérationnel? Un vrai cimetière. Ça ressemble plutôt à un cimetière maintenant. Quasiment aucun survivant. D'où Jésus. Je suis désolé de l'apprendre. Que s'est-il passé? Dysfonctionnement. Vous avez plongé dans un sommeil cryogénique. Mais quelque chose s'est détraqué. Mon Dieu. Toutes ces vies perdues à cause d'un simple dysfonctionnement. C'est intolérable. Et nous oui. avons eu de la chance, j'imagine. Nous sommes fiers d'être parvenus à maintenir un abri en parfait état de fonctionnement pendant 2 siècles. Nous aimerions être totalement autosuffisants. Mais certaines ressources extérieures restent malheureusement indispensables. Vous avez réussi à maintenir un abri pendant tout ce temps? Très impressionnant. Merci. Ouais, je suis d'accord. Je dois beaucoup aux superviseurs qui m'ont précédé. Certains d'entre nous ne sont pas de cet avis. Ils pensent qu'ouvrir nos portes aux habitants du Commonwealth était une erreur. Effectivement, c'est dangereux. Vous devriez rester sur vos gardes. Le Commonwealth est un endroit dangereux. C'est exactement pour cela que nous traitons uniquement avec quelques marchands de confiance. D'accord. Je vais devoir vous laisser maintenant. J'ai du travail. Je comprends. Madame, que devons-nous faire du chien? J'autorise l'accès. La sécurité n'a rien à craindre. Ah, s'il a survécu aussi longtemps dans le Commonwealth, il doit savoir choisir ses amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans mon bureau. Ah, sympa. Bah j'aime bien. Ah bah dis donc, la quête était déjà finie. Ok. C'est cool. Bon bah on a l'abri à visiter, chers amis, je pense. Mais par contre, je vais quand même... Par souci de... Je peux pas refermer l'abri. Putain. J'aurais aimé la fermer. Ah non. Non, tu t'arrêtes. Merci. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là? Des cartouches. Des cartouches. Ouh, intéressant.
Des cartouches? Ouh, des car... Oh, des cartouches! Oh! Terminal. Il faut que je trouve ce terminal. Effectivement. Cathy Pine est l'Institut de physique. Aucun signe de radiation. Vous devriez aller la voir. Elle adore que les étrangers partagent leur expérience avec ses élèves. Le travail ne s'arrête jamais dans l'abri 80. D'accord, il testait mes radiations, d'accord, pourquoi pas. Hé, hey, Grison, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Grison, comment allez-vous? Bonjour, bien, merci, et vous? Bon sang. Oh! Erin va pas aimer ça. Canigou, bouffe le chat! Ils ont un, comment, tâchez un casse-croûte sur pattes. Oh. Le poste de sécurité. Je n'ai pas intérêt à recevoir de plaintes à votre sujet. Cigarette intacte. Cruche en verre, casier, casier. Téléphone. Oui, le téléphone qui brille d'ailleurs. Faudra peut-être que j'enlève ça. Bonjour. Maintenant que vous êtes là, on vous a à l'œil. Alors je vous conseille de vous tenir à carreau. Merci. Ça me touche. Pas ta sympathie, hein, mais... Le fait que tu me préviennes à l'avance. Ok, bon, bon, on y va. Hop, panneau d'ascenseur. Allons-y. C'est tout noir là-dedans. Un petit peu de lumière ne ferait pas de mal. Bon alors. C'était quoi le principe de cet abri? Et quels sont leurs problèmes? Oh. Ils ont encore quelques cartons volés. Eh hey, monsieur, bon. C'est vrai que vous venez du Commonwealth? Bonjour. Oui, pourquoi? Ouais. Pourquoi cette question? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de là-bas. Oh. Je me disais que vous voudriez peut-être que quelqu'un vous fasse visiter l'abri. C'est seulement 5 capsules. Tu peux, faire ça gra- tu peux me faire ça gratuitement? Mais seulement si c'est gratuit. Bon, d'accord. Ah. La vache, vous êtes pingre, vous. Nous allons commencer je par... Je peux pas lui faire me payer. Il peut pas me payer pour... D'accord. Alors, un instant. Je vais quand même aller voir un truc. Ici. Dans les commandes. Si je veux arrêter de courir, mais je veux me mettre à parler. Ah. Caps lock, d'accord. Ah bah non, c'était pas ça. Ah non, caps lock, je suis con. Hop. Ça, c'est le dépôt. C'est la famille Combe qui s'en occupe. Erin est ma meilleure copine. Son papa et sa maman se disputent tout le temps. Alors j'aime pas trop aller chez elles quand ils sont là. D'accord. Mais si vous avez besoin de quelque chose, c'est à eux qu'il faut demander. Je vois. Tu sais pourquoi ils se disputent? Je devrais pas vous dire ça, mais... Il paraît que Monsieur Combe fait l'amour avec Tina. Madame Combe est pas au courant. Mais lui, il la laisse toujours faire tout le travail pour aller voir Tina. Prochain Tina arrêt, le superviseur. Apparemment, Tina est connue. Vous avez tué des tas de bestioles bizarres. Et des pillards. Je parie que vous avez tué des pillards aussi. Oh oui, t'as pas idée. Franchement, t'as pas idée, gamin. Yo. Le bureau du superviseur est là-haut. Elle est toujours d'accord occupée là-dedans. Et on peut jamais la déranger. C'est elle qui commande, mais elle est gentille. Je l'aime bien. Ouais, je la sens bien aussi. C'est bon à savoir. Superviseur, hein? J'imagine qu'il faut toujours quelqu'un pour mener la barque. Si jamais vous avez besoin de la voir, c'est là. Merci. Après, je vous montre la cafétéria. La cafétéria est au niveau en dessous. Il faut qu'on descende. C'est là que tout le monde se retrouve pour manger. On est serrés comme des sardines, des fois. Mais les Somerset sont sympas. Vous allez voir. Je te suis. Tombe pas dans le trou, hein. C'est vrai que c'est pas top pour les gamins, ça. Le mec, il tombe là-dedans, quoi. C'est Canigou qui te fait peur? Oh putain, il a des envies de suicide ce gamin. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Canigou a dû sentir la bouffe. Canigou! Putain. Putain de chien. Viens-tu? Je sais plus si je parle au chien ou si je parle à Canigou, de toute façon c'est... Non, c'est sympa par là. Ah, la cafette. Hello, guys! What the goddamn shit? Bonjour, Austin. Je vois que tu fais le guide touristique. Oui, madame. C'est la cafétéria Sunshine.
Mamie arrête pas de dire qu'ils sabotent tout le boulot qu'elle a fait. C'est monsieur et madame Somerset qui tiennent la cafette. Ils sont gentils, et les tartes de madame Somerset sont les meilleures du monde. Le reste de la nourriture ? Comment est la nourriture ? En dehors des tartes, je veux dire. C'est bon. En plus, madame Somerset me donne toujours du rab. Je te mets une part de tarte de côté, Austin. Horatio, je vous avais dit qu'ils étaient gentils. Vous aimez bien votre coiffure ? Moi, j'aime bien la mienne. J'aime pas du tout les peignets, par contre. Ma mamie veut toujours que je les peigne tout le temps. Comment ils font pour avoir des légumes frais ? Ah, c'est con, gamin. Hein. Ouais, franchement, comment ils font pour avoir des légumes frais ? Ah, des fringues. Barber. Ah, voilà pourquoi il me parlait de ses cheveux. Austin, la moquette qui te sert de cheveux est un vrai niard à taupe. C'est ici qu'Horatio coiffe les gens. La maman d'Erin passe tout son temps ici. Ma mamie vient quasiment jamais, elle. Mais elle veut quand même que je vienne me faire couper les cheveux. C'est pas juste. Il pourrait me faire une coupe ? Bien sûr. Il peut vous faire tout ce que vous voulez. Il est fort. Je voulais qu'il fasse une tête de mort avec les miens. Mais mamie a dit non. Maintenant, je vais vous présenter ma mamie. On va voir ma mamie. Je vis avec elle, mais c'est pas ma vraie mamie. Mes parents sont morts quand j'étais petit. D'accord. On va attraper le gamin. Hop, et je te suis. Vas-y, je t'en prie, avance. Ah. Voilà la véritable réponse à ma question. Tu n'es pas n'importe Salut, quel mamie. Gamin. Austin, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'embêtes pas cette personne du Commonwealth, j'espère. Je l'embête pas, je l'aide. C'est ma mamie. Elle s'occupe de moi. Vous pouvez l'appeler Dr. Pensk. Elle a l'air grognon tout le temps, mais en fait, elle est super gentille. Que tu crois ? Elle dirige le laboratoire hydroponique. Tout ce qu'on mange vient de là. Donc à mon avis, c'est ça l'expérience. C'est bon à savoir. Je parie qu'elle s'occupe très bien de toi. Ouais, quand elle m'oublie pas. Ou qu'elle est pas trop occupée. Attention à toi, petit. Ah, je l'aime bien. Ah, je l'aime bien, la mamie. Vite, venez. C'est à l'autre bout de l'abri. Comment je vais vous montrer où je vais à l'école. Pourquoi je vite Je parie que vous avez jamais dû aller à l'école, vous. Bah si. Eh, j'ai plus de 200 ans, garçon. Je suis allé à l'école. Et une meilleure école que la tienne, à tous les coups. Quoique. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est par où ? Jack, c'est par où ? Oh, c'est encore vachement balèze dedans. What ? Voilà l'école. C'est madame Cathy, la maîtresse. C'est super ennuyeux, mais mamie dit qu'il faut quand même y aller. Ta mamie a raison, Austin. Boum ! Il y a beaucoup d'enfants ? Il y a beaucoup d'enfants dans l'abri ? Pas tant que ça. Le superviseur dit qu'on a le contrôle des naissances, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous montrer la clinique maintenant. Venez en dessin. Ouais, ça c'est pas drôle. Je vais vous montrer la clinique. Enfin bon, dans un sens, c'est compréhensible. Les Rachel sont plutôt gentils. Mais j'y vais seulement quand je suis vraiment obligée. Ou quand mamie me demande d'y aller. Non, mais c'est intéressant de savoir. Parce qu'en fait, c'est pour savoir s'ils ont à même de repeupler la Terre ou pas. Et en l'occurrence, non. Pas du tout. C'est vraiment un abri qui est fait pour rester avec un certain nombre de participants. Enfin, de, entre guillemets, oui, de participants, on va dire ça comme ça. En tout cas, de. Une population qui est régulée pour si ne vous pour blessez, continuer vous à perdurer malade, en fait. C'est ici qu'il faut venir. Le docteur Forsythe m'a prévenu qu'il fallait jamais les déranger quand ils travaillent, Rachel et lui. D'accord. Tu es déjà tombé malade ? Déjà tombé malade ? Juste un rhume, des trucs comme ça. C'est rare qu'on soit malade ici. Monsieur Somerset s'est cassé le pied une fois. Ils ont mis un gros plâtre tout autour et il a dû marcher avec des cannes. On va voir Erin maintenant. Elle va être trop surprise quand elle vous verra. Venez. Ah, ta petite copine. Par là. On joue tout le temps ensemble, Erin et moi. Elle me croyait pas quand je lui ai dit que j'allais vous la présenter. Mais comment t'as pu lui dire que t'allais nous présenter, sachant qu'on est avec toi depuis le début ? Il est intriguant, ce gamin. Quelle heure il est ? Et alors ? Il est 9h, 10h moins 20 du matin. Ce garçon n'est pas à l'école. Je ne comprends pas. Porte coulissante. Oh, d'accord. Ah, apparemment c'est ici. Bonjour. What? Erin, regarde qui est là. C'est la personne du Commonwealth. Waouh, vous venez vraiment du Commonwealth? Oui,
Oui. Oui, tout à fait. Wow, quelqu'un du Commonwealth, c'est trop génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la visite. Merci d'avoir suivi ma visite guidée. C'était vraiment trop cool de vous présenter à tout le monde. Oh, de rien. J'ai remarqué un truc qui est bizarre. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez vu mon chat? Demandez de l'argent. Combien pour que je le retrouve? Je veux bien vous donner mon ours en peluche. Je suis trop grande maintenant, j'en ai plus besoin. Oh, tu peux faire mieux que ça. Je peux vous donner ma balle. Je l'aime beaucoup, mais j'aime mon grison encore plus. Oh, encore plus. Fais-moi une proposition intéressante, ou tu devras te débrouiller toute seule. Je vous donne mon pendentif en argent. Ah. C'est ma maman qui me l'a donné. Je l'aime plus à part grison, bien sûr. Ah, pas de récompense. Alors, pas de récompense, c'est ça? Je vous donnerai rien du tout. Vous êtes une méchante personne qui pense qu'à l'argent. Oh merde. Ah non, c'est pas ce que je voulais, gamine. Ah merde. Attendez, on va reprendre là. Et s'il faut, je fais une ellipse. On est où? Oui, d'accord, on est allé voir la gamine, parfait. Hop. Non, y a pas de. Moi, je pensais qu'elle allait croire que c'était une blague. Non, je rigole, c'est un truc comme ça. Mais non, là, c'est pas. Non, c'était pas drôle là. On ne joue pas avec la vie des gamines, enfin avec l'argent des gamines, les jouets des gamines, les souvenirs des gamines et leurs animaux. Putain. Yo. Erin, regarde qui est là. C'est la personne du Commonwealth. Waouh, vous venez vraiment du Commonwealth? Eh ouais. Oui, tout à fait. Waouh, quelqu'un du Commonwealth, c'est trop génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la visite. Merci d'avoir suivi ma visite guidée. C'était vraiment trop cool de vous présenter à tout le monde. De rien. Bon, je t'écoute, gamine. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez vu mon chat? Grison, oui. A disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a griffé et je lui ai crié dessus. Je lui ai dit que je voulais plus le voir. Je voulais pas dire pour toujours. Il s'appelle Grison et c'est le meilleur chat du monde. Non, je n'ai pas vu ton chat. Vous voulez bien aller le chercher? Il s'appelle Grison. Il doit avoir peur tout seul. Où peut-il être? Où est-ce qu'il est parti, à ton avis? Pas loin, il doit être mort de peur. Je suis sûre qu'il se cache tout près, vous allez le trouver. Oui, je le trouverai. Je vais le retrouver. Merci. Il s'appelle Grison, c'est un petit minou gris tout mignon. Je veux qu'il rentre à la maison. Pas de soucis, par contre il y a un truc qui m'intrigue. Vous voyez, regardez toute la crasse, tout le truc qu'il y a dans cette pièce. Comme si c'était quelqu'un qui était déjà allé à l'extérieur. Enfin... Non. Blah. Attendez, un instant, oui. Hop, voilà. Bonjour. Porte coulissante. Ah, oh, des vraies chiottes. Oh mon dieu. Vous n'avez rien vu. Hop. Bonjour. Le docteur Forsyth voudrait vous voir quand vous aurez un moment. Oh. Intéressant. Intéressant. Il y a donc plusieurs étages. Porte coulissante ici, c'est quoi? Un bureau. Des capsules. Ah, c'est intéressant. J'aime beaucoup cet abri. Il y a quelque chose de malsain dans autant de propreté, je trouve. De vraiment malsain. Oh merde. Heureusement que personne m'a vu. Hop, moi je voulais juste faire ça. Si vous avez envie d'un bon repas, allez voir Maria à la cafétéria. Vous vous régalerez. Pauvre Erin. Son chat s'est échappé de l'abri. What? Oh merde, son chat s'est échappé de l'abri. Oh, fait chier. Pauvre gamine. Alors.
Ouais, peut-être. Ils ont tous des munitions dans leur truc, mais je vois pas une seule arme encore. Oh. C'est la fameuse clinique ? D'accord, allons voir. Bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est lui qui voulait me voir. J'espère ne pas me montrer trop présomptueux, mais j'aimerais vous demander un service. Vous serait-il possible de me fournir quelques échantillons médicaux ? Ne serait-ce qu'un peu de sang ? Payez-moi. Pour quelques capsules, je ne dis pas non. Très bien. Le superviseur m'en a laissé un peu pour ce genre de cas. 50 capsules, ça vous irait ? Oh, j'en ai un peu plus. Ça paraît un peu léger. C'est mon sang qu'on parle, merde. C'est un sang de 200 ans. Tout ce qu'il me reste, je peux vous donner 100 capsules. Oh, tout ce qui te reste, tu peux si faire mieux. Si vous voulez vos échantillons, il va falloir faire mieux que ça. Vous êtes coriace en affaires. Je peux vous en donner 150, mais pas une de plus. Prenez place, je vais vous faire une prestation. Un instant, chers amis, je vais quand même répondre à un appel, parce qu'on m'appelle. Asseyez-vous là. Hop, à tout de suite. Voilà, re, chers amis, excusez-moi pour cette petite coupure. Hop. Donc, faut que je m'installe où ? Ça ne prendra qu'un instant. Ok. Gah ! Voilà. Vous n'avez rien senti, n'est-ce pas ? Non, effectivement, voilà, j'ai vu que tu avais fait ça dans l'air. Je vous avais promise. Merci, ça me sera très utile. Oh, mais de rien. Maintenant, je dois conditionner le prélèvement sans perdre un instant. Allez-y, faites donc. Bonjour. Ah, c'est vous qui venez du Commonwealth. Je m'appelle Rachel, je suis l'assistante du docteur Forsythe. Vous êtes malade ? Vous souffrez de blessures ? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Soignez-moi, peut-être ? Oui, dites-moi ce que j'ai, docteur. Expliquez-moi ce que vous ressentez. Oh. Soignez-moi les blessures. J'ai juste mal partout. J'ai vu pire, mais il vaut mieux vous raccommoder avant que ça s'infecte. Oh, merci. 15 pixels pour ça. C'est sympa. C'est terminé. D'autres soucis ? Ah non, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux. Excellente nouvelle. Autre chose ? Rien, je vous remercie. C'est pas tout. Au revoir alors. Oh, c'est sympa. Elle m'a full régène. Oh, génial ! Pour 15 pixels, bah, ça vaut le coup. Au niveau du RP, même au niveau du RP, ça vaut le coup en fait. Et donc en fait... Vous avez besoin de soins médicaux ? Allez voir. D'accord, Rachel. Ok. Donc en fait, c'est l'objectif c'était juste de rien foutre. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on a un chat à retrouver, chers amis. Hein. Je précise. Est-ce qu'il y a encore du lait ? Bouteille de lait vide. Merde ! L'école. On n'a pas fouillé la pièce plus que ça. Ça travaille ? Eh bien. Continuez comme ça. Sympa comme école. Hello. Ils ont un rétro en plus. C'est vous qui venez de l'extérieur. Vous oui, devez c'est avoir moi. Vécu toutes sortes d'aventures là-bas. Oh oui, une aventure là-bas, permanente. Chaque seconde est une aventure. Ah, je le savais. Mes enfants adoreraient en entendre quelques-unes. Ça vous dirait de venir en parler à mes élèves ? Trop violente, avec plaisir ! Non, pas du tout. Avec plaisir. Merveilleux. Passez me voir quand vous voulez pendant les heures de classe. J'interromprai ce qu'on est en train de faire et je vous laisse la parole. Ouh. Histoire courte. Bah écoutez. Cathy. Voulez-vous raconter une anecdote ? Oh oui ! Avec plaisir. Avec plaisir. Merveilleux. Les enfants ne tiennent plus en place. Ils ont hâte d'entendre ça. Les enfants ! Les enfants, écoutez-moi. Nous avons de la visite aujourd'hui. Cette personne vient du Commonwealth et elle va nous raconter ce qu'elle a fait là-bas. Vous avez déjà battu un écorcheur ? Juste avec un pistolet. Ouais, juste avec un pistolet et 3 balles. Vraiment ? Mon ami Preston s'est fait piéger par une bande de pillards. Mais vous l'avez sauvé, hein ? Oh, ce point de vue. Preston a eu peur. Non. Preston m'a montré où je pouvais trouver une armure assistée à réparer. Une armure assistée ? Waouh ! Eh ouais. Quand l'écorcheur est arrivé, j'ai attrapé le pistolet d'un pillard, mais il ne restait que 3 balles dedans. Moi, je me serais enfui à toute vitesse. Oh, ce point de vue est vraiment... Une balle dans chaque œil, la dernière en plein milieu du front, et adieu l'écorcheur. Waouh, vous visez vachement bien. Merci beaucoup pour cette anecdote. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit ? Merci. La classe a un petit cadeau pour vous. Oh ! Tenez. Oh ! Oh,
c'est mignon. C'est mignon. Oh, j'aime. Oh, j'ai bien fait. Oh, je suis content. Alors là, oh, ils sont mignons, les gamins. Oh, putain. Sympa, votre pipe. Tuez-les tous. S'il commence à déconner, allez voir Alexis. Elle vous le réparera. Hop. Par contre, du coup, ça me fait me dire qu'il y a potentiellement beaucoup plus de... Les chiottes. Potentiellement beaucoup plus de secrets que ce qu'on peut croire dans ce... Dans ce truc. Ouais, ouais, ouais. Ah, faut qu'on aille voir la mamie aussi qui était. Vous devriez aller voir Horatio pendant votre séjour ici. A mon avis, il doit pas y avoir beaucoup de coiffeurs dans le Commonwealth. Le travail ne s'arrête jamais dans l'abri 81. Pas de chat au sol. Il paraît qu'un marchand est passé aujourd'hui. Ah, je peux pas l'ouvrir celui-là, c'est bizarre. Si vous avez besoin d'un médecin, allez voir Forsythe et Rachel. J'ai entendu Alexis en promettre une à Erin. Et je sais que tu as horreur de décevoir les petits. N'essaie pas de m'avoir, Mark. Je sais très bien ce que tu as derrière la tête. Ces tartes sont pour Calvin et son équipe. Ils ont bien mérité une petite friandise après tout ce boulot. Eh bien, je te laisse annoncer la nouvelle à Erin et briser les... Ils auraient dû les fixer au sol. J'ignorais que ma femme avait un cœur de pierre. Mark, au bout de... Comme les autres, et puis de toute façon, je vais mettre les deux. La chance que tu as d'être encore en vie. Je le pousse. Il tombe. Et il est trop lourd. Ok, bah tant pis pour toi. Oh, j'espérais bien vous voir. Je sais d'expérience que le Commonwealth n'a aucune pitié pour les cheveux. Parfait. Ça vous dirait une petite coupe? Eh ben écoute, on y va. Bien. Voyons ce que je peux faire pour vous. Asseyez-vous. On va laisser une petite coupe. On va voir s'il y a autre chose à nous proposer qu'en fait celui de Diamond City. Ça pourrait être intéressant. Ah, c'est vrai, j'en ai besoin, putain. Oh la gueule. Mais non, pas rocker amateur, t'es fou. Anti-héros. Ah, c'est pas mal, anti-héros. Beatnik. Surtout pas. Anti-héros, c'est pas mal. Pilosité faciale, est-ce que t'as mieux que ça? Prêt pour l'apocalypse? Oh mon dieu, non. Ah, quoique. Ça pourrait. Survivant, c'est quoi la différence déjà? Oh, c'est pas mal non plus. Non, survivant, c'était parfait. Couleur. Terminé. Non. Hop. Terminé. Par contre. Une nouvelle tête pour un nouveau look. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes déjà sorti, peut-être. Vous êtes déjà sorti. Je suis né à Quincy et j'y ai grandi. Ma mère, imaginez sa surprise quand elle a réalisé que je préférais couper les cheveux plutôt que soigner les gens. Mais assez parlé de moi. Qu'est-ce qu'on va faire de vos cheveux, hein? Ouais, non. Non, non, celui-là, je veux pas lui parler. De vous Quincy. Avez dit que vous veniez de Quincy? Ouais, et j'ai eu de la chance d'ailleurs. Aux dernières nouvelles, les artilleurs auraient envahi la ville. Des rumeurs? Il y a des ragots en ce moment. Il paraît que Holt trompe sa femme. À ce qu'on dit. Il verrait Tina DeLuca en cachette. Mais assez parlé d'eux. Vos cheveux sont horribles. Laissez-moi m'en occuper. C'est pour ça que je mets une capuche. Bien sûr. Il faut du temps pour savoir ce qu'on veut. Il faut que je retourne vérifier les pompes. L'eau a une drôle de... Cette espèce se porte très bien. Tant mieux. Pardon, bonjour. Docteur Pensky. Très peu de décoloration, structure cellulaire végétale robuste. Je n'arrive à rien avec les pommes de terre. Il faut que j'étudie comment elle résiste à l'exposition. D'accord. Vous ferez parfaitement l'affaire. J'ai besoin d'un volontaire pour goûter une nouvelle espèce de fruit que j'ai créé. Je vais essayer. Bien sûr. J'adore les fruits. J'adore les fruits. Moi aussi. Excellent. Dites-moi simplement quel goût il a et comment vous vous sentez. J'ai peur. Où ai-je encore fourré ce fichu compteur GGR? Oh putain. Fruits mutants frais. Oh putain. Allons-y. Soin. Où ça ressemble? Oh non de Dieu.
Bon, ça va. Ça va pas l'air trop mauvais. Bonjour. Excusez-moi, docteur Pensky. Vous avez goûté le fruit ? Alors, comment c'était ? Il était pas trop mal. Il était bon. Pas d'effet secondaire. Je le savais. Excellent. Il va falloir que je commence immédiatement une nouvelle série. Comme vous avez l'air serviable, vous pouvez peut-être m'aider pour autre chose. J'ai besoin de ces plantes pour effectuer mes recherches, mais il leur faut des nutriments spéciaux, surtout les carottes. D'accord. Si vous trouvez de l'engrais au cours de vos voyages dans le Commonwealth, rapportez-le-moi et je vous récompenserai pour vos efforts. Oh, intéressant. Bien sûr. Bien sûr. Pas de problème. Vraiment formidable. Je craignais de devoir envoyer une nouvelle demande au superviseur. Rapportez-moi tout ce que vous pourrez trouver quand vous aurez le temps. D'accord. Intriguant. Docteur Pensky ? Ma dernière série de fruits se porte plutôt bien. Il va bientôt me falloir plus d'engrais. J'imagine que je les ai pas, donc du coup elle me propose pas la discussion. Okay. Certains de nos résidents n'aiment pas beaucoup les étrangers, alors ne vous formalisez pas trop. Nous ne sommes pas tous comme ça. Le docteur Forsythe et Rachel ont tout superviseur. Un temps de médicale, prenez votre si temps pour visiter. Vous pouvez aller où bon vous semble ici. C'est gentil. Ouais, il y a quand même un... Faites attention à vous, monsieur. Pardon. Un truc qui me gêne, personnellement. Ça n'arrête pas en ce moment. Bonjour. Il n'y a personne, ok. Bonjour. Il doit y avoir un problème au niveau de l'hybridation. Ah bonjour, bienvenue au dépôt, enfin au bazar plutôt. Je n'ai pas vraiment le temps de ranger ces temps-ci. D'accord. Pourquoi ? Pas le temps. Pourquoi ? Oh, par où commencer ? Quand on s'occupe d'objets vieux de plus de 200 ans, le boulot s'accumule rapidement. Je me doute. Certains jours, j'arrive à peine à sortir la tête de l'eau. Mais bon, j'imagine que ça ne vous passionne pas tout ça. Si vous voulez jeter un œil, prévenez-moi. Vous travaillez sans aide alors ? Vous tenez cet endroit toute seule ? Il y a aussi Holt, mon mari, mais impossible de mettre la main dessus quand on a besoin de lui. Je vous jure, même le chat m'aide plus que lui. Pourquoi dites-vous ça ? Je préfère éviter de rentrer dans les détails. Oh, dites-moi ! Vous pouvez m'en parler, si vous voulez. C'est Holt. Il a changé. Il n'est jamais dans le coin, il raconte toujours qu'il a affaire ailleurs. Quand on s'est rencontrés, il était très dévoué. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais en matière de bricolage. Il passait tout son temps libre avec moi, et bien sûr avec Erin quand elle est née. Aujourd'hui, c'est comme si on n'existait plus, et chaque fois qu'on se parle, on se dispute. Vous lui en avez parlé ? Vous lui en avez parlé ? J'ai essayé, mais il ne m'écoute pas. Il dit toujours qu'il n'a pas le temps. C'est un gros con ! Votre mari a l'air d'un connard. La plupart du temps. Si je n'avais pas connu l'homme qu'il était avant... L'homme dont je suis tombée amoureuse, à 100%. Enfin, assez parlé de lui. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous, il faut que je me remette au boulot. Trop con. Ça pourrait m'intéresser. Génial. Merde, c'est mes armes à moi. Qu'est-ce que je suis con. Hop. Oh. Ah bah comme ça, ça le mérite d'éclat, t'as qu'une seule arme. Oh la vache, le prix. Bon, les styles, ils remarquent. Alors, gardien de superviseur, shoot un additional projectile. D'accord. Plein de balles. Ah bah d'accord, bah j'ai le même en fait. Donc non, bah écoute. Va te faire entuber, hein, j'ai le même. J'ai littéralement le même. Ok. Alors, il écrase wear armament speed, ça c'est intéressant. Les trois sont intéressants, je dois l'admettre. Ouais, tu vends rien d'intéressant pour autant. Enfin, rien d'énorme en tout cas. Hormis quelques légendaires. Ok, donc t'as un problème avec ton mari, toi. Le superviseur. On ne veut pas d'ennui dans notre abri. D'accord. Comme si ça allait m'en empêcher. Porte coulissante. Oh, intéressant. Profitez au mieux des services de notre abri, tant que vous êtes parmi nous. Oh, j'ai le droit d'y avoir accès ? Ok. Alors, Dipt, c'est pas ça. Field, c'est pas ça. Voyons voir.
Ah. Et c'est réinitialisé. Aether ? C'est pas ça non plus. C'est pas Poodle ? Non, c'est pas celui qui était avant, pardon. Je me plante. Ok. Est-ce que ce serait Solène ? Est-ce que ce serait... Pallas ? C'est pas Pallas du tout. Putain. Est-ce que ce serait le... J'y suis. C'est celui-là. D'accord, ok. Putain, j'ai du bol. Ok. Je vois pas l'intérêt. On va sélectionner endommagé, mais j'espère qu'il suffira de rafistoler. D'accord. Couloir du niveau principal. Hop, les tuyaux sont rouillés. Besoin d'une soudure. Besoin d'un examen plus approfondi pour révéler l'ampleur des dégâts. D'accord. Entrée. On va refaire l'étanchéité. D'accord. Intéressant. Journaux. Réparation. D'après Kelvin, les dégâts ne viennent pas de nous et de notre mode de vie, ça vient de l'extérieur, et bien sûr, puisque ça vient de l'extérieur, c'est plus dur pour lui d'évaluer les dégâts de leur ensemble. On ne peut pas déterrer l'abri. D'accord. Attendez. D'accord. Nos murs devraient continuer à s'écrouler, mais on aura un bon éclairage pour les regarder. D'accord, donc ils sont dans un cul-de-sac malgré tout ce qu'ils veulent nous montrer. Bobby DeLuca, c'est vraiment difficile de prendre Bobby DeLuca en flagrant délit de consommation de drogue. Il n'y a pas énormément d'endroits où il peut se cacher, et pourtant je viens encore de recevoir une plainte contre lui. C'est énervant pour changer. Son autre petit Bobby. D'accord, son travail, il fait de toute façon. D'accord. D'accord, donc leur vie est pas top, mais elle est existante et ils y arrivent encore. C'est difficile, mais ils y arrivent. Pourquoi pas? Et elle a sa propre salle de bain et elle arrive à se plaindre. D'ailleurs, en parlant de drogue, je vois que tu en as aussi. Par contre, il me manque les DeLuca. Je les ai pas croisés du tout. Vous avez eu le temps d'aller voir le docteur Forsythe à la clinique? Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup. Oui, je l'ai fait, je suis allé le voir. Par contre, les DeLuca, je ne les ai pas vus. Et j'aimerais les voir. Rien sur le bureau. J'espère que ce Pip-Boy vous appartient. Si vous avez envie d'amour pas, allez voir Maria à la cafétéria. Une fois, c'est pas au bon endroit. Vous régalerez. C'est vous qui venez du Commonwealth, c'est ça? Alors, où est encore passé ce garçon? On va remonter, on va bien voir. Oula, il y en a un qui était sur le point de se faire gueuler dessus, violemment. Par contre, le chat s'est barré. D'après le bonhomme. Ça pue, ça. Faites attention à vous, monsieur. Merci, c'est gentil. Ne prenez pas la grosse tête simplement parce que le superviseur vous a fait entrer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce sera pas la dernière. Mais non, moi je cherche deux personnes. Faites attention aux travaux. Il y en a tout le temps par ici. Neil. Je n'ai jamais eu de problème pendant mes tours de garde. Miranda. Et je voudrais que ça dure. Bon, apparemment, j'ai loupé quelque chose. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas renvoyer le truc. Parce qu'il fallait que le chat sorte. Il le fallait absolument. D'accord. Ok. Le fusil à clou est une arme artisanale rare qui tire des clous de fixation pour rail à grande vitesse, capable de trancher des membres et de les empaler au mur. Ça va être intéressant de l'avoir, ce truc-là. Oh putain. Ah, il y a aussi le fusil à seringue aussi. Exact. Alors.
Bon alors, la quête du chat. Trouver Grison. Ah bah d'accord, mais ça a le mérite d'être clair comme ça. Ah, bah il est pas loin. Il est pas loin. Il est à moins de 100 mètres. Le chat. Ouais, justement, il est pas loin. Genre, je suis con. J'aurais dû y penser plus tôt. Oh merde, il est pas dans l'eau. Oh non. Oh non, pas un cadavre de chat. Oh, ça serait dégueulasse. Ou alors pas le gros monstre. Oh merde. Ah non, c'est pas des cadavres de chat, c'est des cadavres d'êtres humains. Grison. Rentre à la maison, Grison. Erin a très envie de te voir. Allez, dépêche. Bonjour, monsieur. Bam. Je m'attendais pas à ce qui bouge. Je m'attendais vraiment pas à ce qui bouge. Regardez, 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 regardez. Hop, paf. Alors. Oh. Ouais, bon bah du coup on va rentrer, on va aller voir Erin. Hein. Après tout, on a le chat. Aïe. Putain de radiation. On a le chat. Il n'y a pas tant d'ennemis que ça d'ailleurs au passage. Hein. Non, non, c'est clean. Hein. On n'y voit que Pouik cependant. Hein. Alors. Et puis les vendeurs. Ouais, je m'en doute. Bon bah, retournons les voir. On a retrouvé le chat, c'est tout ce qui compte. Ouais. Du coup, il est sorti par là en fait. Putain, il en a fait de la route le gamin. Enfin, oui, le gamin, le chat. Yo! Encore vous? On vous surveille, ne l'oubliez pas. Mais moi je cherche les Deluca, j'en entends parler mais je ne les vois pas, ça, j'aime pas ça. Attention à vous. Hop. La trappe est inouvrable donc c'est pas par là. Kili 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 chaton. Pour ceux qui voient la référence. On ouvre la porte, merci. Erin! Elle est là? Oh, elle est là! Avec son père? Austin s'est fait mordre par un rat taupe et depuis, il nous a enfermés ici pour surveiller Erin. C'est ridicule. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Halt. Fichez-nous la paix. C'est pas parce que vous portez une combinaison d'abri que vous êtes des nôtres. J'en porte pas. J'espère que vous n'avez rien à faire réparer. J'ai vraiment pas envie de travailler. Grison! Vous l'avez trouvé! Bah ouais! Merci, monsieur. Je m'inquiétais tellement pour lui. De rien. Avec plaisir. Je suis tellement contente de le retrouver. Grison, oh, c'est sympa. Je me suis inquiétée pour toi. Et tu peux être sûr que maman va te donner un bain maintenant. Bonjour, Holt. Je sais pas ce que vous voulez, mais n'y comptez pas. J'ai pas le temps, là. Plus, mais je suis tellement si vous avez besoin de quelque que chose, demandez à Alexis. J'arrive jamais à comprendre comment elle s'organise. J'aime pas comment il m'envoie chier, putain, j'aime pas ça. Bon, de l'XP gratis. Et ça fait une heure pratiquement que je tourne. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc faites trouver le lien dans la mer de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Tout comme je vous remercie de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Je crois qu'il perd en capture. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Mais qu'est-ce qu'ils leur font? Hop. Les Deluca. Faut vraiment que je trouve.